Morisseau enseigne dans le secondaire et est doctorant à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle sous la direction de Cécile Leblanc. Il s'intéresse au rapport entre littérature et musique et sa thèse est co-dirigée par un enseignant de Tours, Vincent Cottereau. Alors, il travaille sur le personnage de Vinteuil et il a déjà rédigé quelques articles. Donc, je lui passe la parole pour une communication intitulée « Impression musique récente ». Merci beaucoup. J'ai rajouté aussi un sous-titre « Quel impressionnisme pour Allons des jeunes filles en fleurs ». François Proulx nous a plutôt parlé de Bretagne que de Normandie. Et moi, ce matin, je vais plus parler, le sujet était la Normandie impressionniste. Je vais plus parler d'impressionnisme que de Normandie. Le 21 février 1911, Marcel Proust écoute au théâtrophone Pélias et Mélisande, opéra de Claude Debussy, transmis depuis l'opéra comique, même s'il l'avait déjà entendu en partie, en 1902. Par la suite, il ne cessera plus de l'écouter. 1911 voit aussi Proust en pleine rédaction de Du côté de chez Swann et d'Allons des jeunes filles en fleurs. De nombreuses études ont déjà montré combien l'esthétique impressionniste de Debussy essaime dans À la recherche du temps perdu. On peut citer celle de Jean-Yves Tadié, par exemple, Le songe musical, Claude Debussy. Néanmoins, c'est encore la peinture dite impressionniste qui semble servir de modèle à l'écriture musicale du premier Vinteuil. Sa musique est décrite en premier lieu en des termes picturaux, par un Swann plus sensible à cette esthétique. Elle évolue toutefois progressivement vers un impressionnisme musical d'obédience debussiste dans Un ombre des jeunes filles en fleurs, ce qui est déjà pour Proust concevoir l'œuvre de Vinteuil dans une perspective moderniste, puisque l'impressionnisme musical est nettement postérieur à l'impressionnisme pictural. Je m'appuie beaucoup sur les travaux de Michel Fleury, l'impressionnisme et la musique, par exemple pour cette affirmation, tout ce qui concerne en tout cas l'impressionnisme musical. Héritée des peintres de l'école de Barbizon, la peinture impressionniste met en avant le travail en plein air et refuse les compositions trop étudiées, en insistant sur les impressions ressenties. Les peintres impressionnistes veulent saisir une image instantanée, un jeu de lumière et de couleurs décomposées en touches juxtaposées. C'est ensuite au spectateur de recomposer l'image. Émile Zola, qui était l'un des premiers à légitimer la peinture impressionniste en 1877, en disait cela. Je crois qu'il faut entendre par des peintres impressionnistes des peintres qui peignent la réalité et qui se piquent de donner l'impression même de la nature qu'ils n'étudient pas dans ses détails mais dans son ensemble. Il est certain qu'à 20 pas on ne distingue nettement ni les yeux ni le nez d'un personnage. Pour le rendre tel qu'on le voit, il ne faut pas le peindre avec les rides de la peau, mais dans la vie de son attitude, avec l'air vibrant qui l'entoure. De là une peinture d'impression et non une peinture de détail. Ce qu'ils ont en commun entre eux, c'est une parenté de vision. Et 3 ans plus tard, il ajoutait voilà donc ce qu'apportent les peintres impressionnistes, une recherche plus exacte des causes et des effets de la lumière, influant aussi bien sur le dessin que sur la couleur. À la lecture des écrits de Zola, il est indéniable que la peinture des impressionnistes, et en premier celle de Monet, a inspiré Proust, qui parle dans sa correspondance du génie même du paysage impressionniste. De nombreuses études évoquent également les impressions personnelles et subjectives dans l'œuvre de Proust, comme étant les seules au cœur de la réalité, quand à l'inverse, l'intelligence est incapable de dévoiler la réalité. L'utilisation de la lumière et de la couleur comme éléments essentiels de son écriture a également été discutée. On ne compte pas non plus les lettres de Proust évoquant Monet, je vais en rappeler certaines. Dans une lettre à Maurice Leblanc, il met en avant par exemple Monet comme génie qui aurait pu être étouffé par l'État. Dans cette même lettre, Proust cite des peintres arrivés à un degré de maîtrise que personne en somme ne conteste plus aujourd'hui, avec Monet en tête. Il tient le même propos à Gabriel Mouret. De nombreuses allusions sont faites à des visites de Giverny, à des collections comme celle de Madame Trance et d'Henri Monroir qui contiennent des Monets ou encore à des expositions du peintre, auxquelles Proust se rend, comme les multiples expositions consacrées à Monet chez Durand-Ruel ou encore celles mettant en relation Venise et Claude Monet. Également, quand Proust doit citer 8 tableaux qui prendraient place dans une tribune idéale, on trouve les falaises d'Étretat. Enfin, il ne renie à aucun moment cette inspiration dans les 2 premiers volumes de La recherche du temps perdu, puisqu'il écrit, par exemple, à Gabriel Astruc, il a pensé à Claude Monet pour décrire certains paysages dans Du côté de chez Swann. Il qualifie d'ailleurs à ce,
à ce moment-là son ami d'illustrateur de son œuvre, puisque celui-ci, pareil, retrouvait des Monet disséminés un peu partout. Et ce avec quoi procéder. Il est donc logique de remarquer que dans Du côté de chez Swann, Proust tend à faire surgir la musique à travers des impressions picturales. La sonate s'annonce comme l'émergence d'un nouveau monde, c'était comme au commencement du monde. Proust n'impose pas une vision, mais en propose plusieurs, qui dévoilent tel à tel aspect de la sonate. À l'instar des peintres impressionnistes, qui portent un intérêt particulier au paysage, la musique de Vinteuil est parfois longuement assimilée à des paysages. Souvent, elle suggère des images, des couleurs comme des impressions. La nature est également au cœur de sa partition littéraire. Proust utilise par exemple la métaphore des oiseaux, qui dialogue, je le cite, « D'abord, le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné de sa campagne, Le violon l'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. Est-ce un oiseau, cet être invisible et gémissant, dont le piano ensuite redisait tendrement la plainte ? Ces cris étaient si soudains que le violoniste devait se précipiter sur son marché pour les recueillir. Merveilleux oiseau, le violoniste semblait vouloir le charmer, l'apprivoiser, le capter. » La petite phrase est également une promeneuse, une passante. Elle est également rapprochée d'un arc-en-ciel. Et on se rend compte que Proust cherche une esthétique musicale de la suggestion. Il ne cherche pas une musique abstraite, mais une musique qui s'invente au fil du texte. Pour Jean Milly, l'œuvre de Vinteuil est une métaphore du langage littéraire. On peut aussi se souvenir de Proust dans À propos du style de Flaubert. La métaphore seule peut donner une sorte d'éternité au style. Par ailleurs, la sonate de Vinteuil semble toujours saisir un instant particulier, un sentiment ou une émotion, et ce de manière soudaine et brève, tout comme un tableau impressionniste. En effet, si la sonate représente si bien le langage de la tristesse, de l'amour ou de la joie, c'est qu'elle codifie pour les personnages une conception précise de l'écoute musicale. La petite phrase, par exemple, décrit les différentes phases des sentiments de Swann pour Odette. Thierry Lager décompose ces différentes phases en quatre apparitions dans un tableau dont les parties s'intitulent synthétiquement « Naissance de l'amour »,« Développement de l'amour », »,« Développement de la jalousie », »,« Fin de l'illusion » et « Début de la guérison ». Et les impressionnistes eux-mêmes interrogeaient le temps qui passe, à l'instar de Claude Monet, avec sa série des nymphéas qui fascinait d'ailleurs Proust. Par ailleurs, le caractère bref de cette phrase, si importante, rappelle la technique des touches de peinture utilisées par les impressionnistes. Leur objectif premier était bel et bien de fixer une vision fugitive dans une réalité changeante. C'est la juxtaposition des touches de couleur qui donne forme au tableau, tout comme la juxtaposition des différentes écoutes de la sonate donne forme à la musique qui n'est jamais tout à fait la même. Une part importante de subjectivité est à l'œuvre dans la sonate de Vinteuil, elle se joue toujours dans la conscience subjective de Swann, se plaçant alors du côté de l'esthésique. L'effet de la sonate sur Swann prend d'ailleurs fréquemment des touches impressionnistes, comme lorsqu'il voit, je cite le texte, « s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et mémolise le clair de lune. » Enfin, les allures impressionnistes que Proust confère à l'œuvre de Vinteuil à travers la richesse de ses métaphores développent des éléments descriptifs vagues et fluctuants à l'image des impressions suscitées par la peinture d'un Claude Monet ou d'un Paul Cézanne. Néanmoins, au fil des années de son écriture, Proust s'éloigne de l'impressionnisme pictural. On disait tout à l'heure effectivement qu'il y a des goûts qui peuvent changer brutalement et presque par opposition. Et ainsi, en 1904, il racontait cela à Lucien Daudet. « Je suis allé mardi voir les Monet seuls. Je n'en ai plus reçu, soit inanition, soit habitude prise de cet art, la commotion que d'autres m'ont donnée. Cependant, je les ai trouvés admirables, et peut-être encore plus près de ce qu'ils cherchent que les précédents. Mais souvent, j'ai trouvé la couleur désagréable, certains fonds avec la tour de Londres au fond bien convenu, et ceux avec le soleil rouge d'une couleur écœurante et banale. » Et il conserve un point positif puisqu'il dit « des brouillards admirables et le pont lui-même ». Ça, c'est ce qu'il a conservé d'important pour l'impressionnisme. En 1908, il écrit également à Robert Dreyfus « les derniers Monet ne peignent que du brouillard, les derniers Rembrandt que du soleil. C'est ce que je préfère en art. Pas ces peintres, cette manière. » Et finalement, ce qu'il captive, c'est surtout et seulement la manière de peindre et d'élaborer une vision plutôt floue et vague, comme si nous étions au cœur de ce brouillard qu'il évoque. Cette évolution de goût se manifeste dans l'ombre des jeunes filles en fleurs, à travers ce qui est appelé communément la scène de passation, dans laquelle le héros découvre en présence de Swann la musique de Vinteuil jouée par Odette Swann.
Cette scène est d'autant plus importante qu'elle est comme un pivot entre les différents volumes en matière de musique et que Proust l'a rajoutée tardivement. En effet, elle ne figure pas dans les cahiers, ni même dans les placards grassés. Elle est donc postérieure à 1914, et il est significatif que Proust ait ressenti la nécessité de la rajouter, alors même qu'il ne comptait pas évoquer la musique dans ce volume, puisque dans ses carnets, nous constatons bien que ce qui était destiné à Vinteuil dans le second volume, je cite, se retrouve dans La Prisonnière, et donc Vinteuil n'était censé réapparaître que tardivement. En tout cas, pas directement dans L'ombre des jeunes filles en fleurs. À travers les yeux de Swann, dans la lignée du premier volume, la sonate continue de s'associer à un impressionnisme pictural. Le mari d'Odette investit cet aspect impressionniste de la description musicale avec une subjectivité difficilement communicable puisque très personnelle. En effet, la démarche de Proust, semblable à celle de Monet, est de montrer un même sujet, la sonate, sous des éclairages différents, selon des moments différents, comme je le disais. Et alors que le héros ne comprend pas la sonate, dans cette scène de passation, Swann se met en tête de la lui décrire en termes éminemment picturaux. Je cite quelques extraits de cette scène qui est perçue du point de vue de Swann. Le moment où il fait nuit sous les arbres, où les arpèges du violon font tomber la fraîcheur, il y a là tout le côté statique du clair de lune. Ce n'est pas extraordinaire qu'une cure de lumière comme celle que suit ma femme agisse sur les muscles, puisque le clair de lune empêche les feuilles de bouger. C'est cela qui est si bien peint dans cette petite phrase, c'est le bois de Boulogne tombé en catalepsie. Dans la petite phrase de Vinteuil, et du reste, dans toute la sonate, ce n'est pas cela, cela se passe au bois. Dans le groupetto, on entend distinctement la voix de quelqu'un qui dit « on pourrait presque lire son journal ». Le narrateur ajoute que la petite phrase rapporte à Swann des feuillages rangés enroulés peints autour d'elle. Ces références à la petite phrase qui serait peinte, à ce décor du bois de Boulogne endormi mais néanmoins fréquenté, et à la luminosité ambiguë, on les retrouve dans un tableau de la période impressionniste de Vincent Van Gogh, dont Proust n'avait vraisemblablement pas connaissance, notamment parce qu'il ne s'est jamais intéressé au peintre néerlandais et parce que le tableau fait partie d'une collection privée. Et donc, en fait, il est intitulé dans le bois de Boulogne, il est peint en 1887 à Paris, et il semble illustrer parfaitement la description de Swann que je viens d'évoquer, preuve en est que son impressionnisme rapporté à la musique est au plus près de la peinture. Cependant, le héros n'est pas dupe. Je cite le texte encore. « Ces paroles de Swann auraient pu fausser pour plus tard ma compréhension de la sonate, la musique étant trop peu exclusive pour écarter absolument ce qu'on nous suggère d'y trouver. » En effet, même si Swann affirme de manière éhontée que de ses soucis, de ses amours de ce temps-là, la phrase de Vinteuil ne lui rappelle plus rien, loin s'en faut. Il faut se souvenir que le bois est également le lieu le plus marqué de sa jalousie, puisqu'un soir, après un dîner au bois, les Verdurin avaient raccompagné Odette ainsi que Forcheville. Et d'ailleurs, déjà, il était question de la sonate Clair de lune qui serait jouée dans l'obscurité pour mieux voir s'éclairer les choses, lors d'une soirée du lendemain à laquelle Swann n'était pas convié. C'était toujours par le bois de Boulogne que Swann était rentré chez lui à pied, et il ressassa longuement cette soirée au bois et sa conclusion en imaginant qu'Odette était la maîtresse de Forcheville. Cette scène clé de la jalousie et de la possible lucidité de Swann, qui n'arrivera pas, se retrouve alors ici, dans L'ombre des jeunes filles en fleurs, intégrée à une description musicale qui relève d'un impressionnisme pictural. N'oublions pas non plus que le couple Swann, par la suite, s'était également installé dans une petite rue à deux pas du bois, dans lequel Madame Swann se promenait. Ainsi, l'impressionnisme de la sonate se révèle purement subjectif, sans partage possible, inaliénable, loin d'une véritable perspective, puisqu'avec Swann, l'art ne dévoile pas aux autres ni une vision, ni un monde intérieur. Ce faisant, même si la scène de passation elle-même conserve encore des traces d'un impressionnisme pictural, notamment la fragmentation de la sonate, puisqu'Odette ne joue que la partie où se trouve la petite phrase, ou bien l'évocation des impressions provoquées à l'écoute, cette scène de passation va déclencher un point de vue différent de celui de Swann, qui est celui du héros, pour qui l'impressionnisme de la sonate est uniquement ou essentiellement un acte de brouillage. Quand Swann et sa femme voient une phrase distincte, celle-ci est aussi loin de sa perception claire qu'un nom qu'on cherche à se rappeler. Et une fois la sonate écoutée dans sa totalité, c'est toujours la même impression qui lui reste. Elle reste presque tout entière invisible, comme dans un monument dont la distance ou la brume ne laisse apercevoir que de faibles parties. C'est ici en fait que le héros va commencer à s'investir dans un impressionnisme dit musical. Cécile Leblanc rappelle que le brouillard est particulièrement perçu à l'époque comme une caractéristique debussiste. De surcroît, le narrateur a la distance nécessaire pour conclure que cela ouvre la porte à la mélancolie qui était chère à Debussy précisément. On constate également que la scène de passation s'ouvre sur une présentation que Proust a voulu moins reliée à l'impressionnisme pictural qu'elle pouvait l'être.
En effet, une esquisse fut retrouvée, c'est toutefois la seule, sur une feuille détachée faisant partie d'un lot acquis par la Bibliothèque nationale en 1978. Dans cette esquisse, Proust avait écrit « Les yeux de Madame Swann s'accordaient tristement à ce qu'elle se mettait à jouer de ses mains. Je l'écoutais tout en recevant la caresse de la pleine lumière de l'après-midi qui entrait par ces larges vitres que j'avais si souvent regardées du dehors. Les sentiments et l'attention à la lumière qui pénètrent depuis l'extérieur ont été supprimés lors de la version définitive. En revanche, Proust y a intégré une attention aux couleurs qui serait plutôt fauviste. Ses belles mains sortant des manches roses ou blanches, souvent de couleurs très vives, de sa robe de chambre, de crêpe de Chine. Cela avance déjà en fait l'élaboration du septuor qui, en termes picturaux, se situe plus du côté du cubisme ou du futurisme, et je renvoie à ce moment-là à l'article de Lucius Keller qui s'intitule « Proust au-delà de l'impressionnisme » dans le recueil « Proust et les peintres ». De l'impressionnisme, pour décrire la musique, Proust ne gardera plus que ces brouillards admirables, qu'il évoquait dans la lettre dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ces brouillards admirables et musicaux qui seuls ont grâce à ses yeux. Je cite encore le texte. « Si chez Vinteuil il y a une monotonie d'harmonie qui seule, quels que soient les sujets traités, prouve la fixité des éléments composant son âme, des dernières œuvres s'élève bien vite une sorte de brumeuse atmosphère qui n'existait pas dans les premières, pareille à cette buée qui montait au-dessus de la mare de Montjouvain par les soirs d'automne. L'élément aquatique essentiel chez les impressionnismes dits musicaux comme Debussy et Ravel, qui composent une musique fluide, illustre le glissement du pictural au musical. Par ailleurs, l'eau est également ce qui inspire Vinteuil lorsqu'il compose. La mare, donc celle de Montjouvain, est un des principaux éléments de sa demeure, mentionné par le narrateur. Le héros aimait d'ailleurs aller voir le toit de tuiles qui s'y est reflété. À la dernière page d'Allons des jeunes filles en pleurs, la musique se retrouve de nouveau associée à l'eau. Entre les intervalles des instruments, si la mer était pleine, reprenait coulé et continu le glissement de l'eau d'une vague, qui semblait envelopper les traits du violon dans ses volutes de cristal, et faire jaillir son écume au-dessus des échos intermittents d'une musique sous-marine. Enfin, dans La prisonnière, lorsque le narrateur demande à Albertine de jouer un peu de musique au pianola, essentiellement des œuvres de Vinteuil d'ailleurs, il souhaite entendre une construction presque ensevelie dans la brume, ou tout entière noyée dans le brouillard. Ces choses encore obscures, ces nébuleuses, prolongent le regard impressionniste à la Debussy. Seules les partitions permettent finalement au héros de dépasser ses impressions du debussiste en s'attachant au contour des œuvres. Comme une phrase de Vinteuil qui m'avait enchanté dans la sonate et que ma mémoire faisait errer de l'andante au final jusqu'au jour où, ayant la partition en main, je pus la trouver et l'immobiliser dans mon souvenir à sa place dans le scherzo. Conforté par cette vision impressionniste, plus moderne que celle de Monet lors de l'écriture de l'ombre des jeunes filles en fleurs, Proust commence à intellectualiser les premières impressions artistiques du narrateur. Avec Swann, comme l'écrit André Ferré, on restait du côté du pittoresque. Le pittoresque auditif est parfois fondu au pittoresque visuel, jusqu'à en être indiscernable. Ainsi Swann perçoit dans la petite phrase de Vinteuil le bois de Boulogne tombé en catalepsie. Avec le narrateur, nous ressentons davantage l'ambivalence de Proust, avec d'un côté le monde des impressions et d'un autre côté le monde de l'appropriation par les projections structurantes de l'esprit. La scène de passation permet au narrateur de théoriser l'œuvre d'art littéraire moderne. Dans Essais et articles, on peut lire ce propos tenu par Proust. « Je crois que tout art véritable est classique, mais les lois de l'esprit permettent rarement qu'il soit, à son apparition, reconnu pour tel. » C'est ce que l'écrivain expose dans la scène de passation en convoquant certaines peintures qu'on juge mal de trop près, ou bien les quatuors de Beethoven. Et Vinteuil se retrouve finalement à exemplifier le schéma de Proust. Je le cite. Aussi faut-il que l'artiste, et c'est ce qu'avait fait Vinteuil, s'il veut que son œuvre puisse suivre sa route, la lance là où il y a assez de profondeur, en plein et lointain avenir. La bonheurdité du sujet proustien vient alors dans la scène de passation par le passage esthétique de Monet à Debussy. Ainsi, comme une réponse aux critiques faites à Du côté de chez Swann, qui semblait lors de sa parution en 1913, se contenter de multiplier des canevas romanesques parfois désuets et de faire émerger des instants subjectifs nimbés dans un impressionnisme pictural, Proust rappelle que ce coussin fleurier normal qui a l'ombre des jeunes filles en fleurs, comme il le désigne lui-même et Pierre Louvéry nous l'avait rappelé lundi, est placé d'avance dans l'avenir sans renier les courants esthétiques qui l'influencent et le construisent. Il prépare de fait les deux étages un peu effrayants qui suivront.
Je cite de nouveau le texte. Sans doute, il est aisé de s'imaginer dans une illusion analogue à celle qui uniforme toute chose à l'horizon, que toutes les révolutions qui ont eu lieu jusqu'ici dans la peinture ou la musique respectaient tout de même certaines règles, et que ce qui est immédiatement devant nous, impressionnisme, recherche de la dissonance, emploi exclusif de la gamme chinoise, cubisme, futurisme, diffère outrageusement de ce qui a précédé. C'est que ce qui a précédé, on le considère sans tenir compte qu'une longue assimilation l'a converti, pour nous, en une matière variée sans doute, mais somme toute homogène. Et ça, c'était toujours dans la scène de passation. Ainsi, Lucius Keller rappelait qu'il fallait écouter et analyser le dialogue entre les différents courants esthétiques. Dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », l'impressionnisme hante toujours Marcel Proust. Néanmoins, plus que l'impressionnisme pictural inspiré de Monet et donnant lieu à une analyse déformée de Swann de la sonate, c'est un impressionnisme du brouillard qui se dévoile sous la plume de l'écrivain. Caractéristique de l'impressionnisme musical, dont Debussy est le représentant, cette perception floue et indéterminée s'inscrit dans la modernité et révèle les prémices de la découverte sensible et intellectuelle qui se fera plus tard avec le Septuor. La passation de la sonate, dans le second volume de La recherche du temps perdu, est donc à la fois générationnelle, narrateur Swann, et esthétique, Monet, Debussy. Je vous remercie. Doctorante à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, nous faisons partie de l'équipe du CRP19. Elle travaille sous la direction et sa thèse porte sur la fabrique de la topographie chez Proust, ce qui relève de la géographie littéraire. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour votre présentation et pour votre invitation. Merci à tous. J'aimerais vous présenter cette communication intitulée « L'image de la mer dans la topographie imaginaire de Babel ». Dans la l'ombre des jeunes filles en fleurs, la mer constitue une image primordiale qui sert à éveiller les songeries sur le pays de Babel chez le héros narrateur. Proust, en raison de sa santé fragile, prend l'habitude de passer l'été au bord de la mer depuis son enfance et son adolescence. Dieppe, Le Trépot, Ourcade, Ostende, Trouville, Permeil, Capour, etc. Les séjours dans ces stations balnéaires sont des sources essentielles de son imaginaire. Proust, écrivain, jouant perpétuellement entre les deux plans de l'expérience et de l'imagination, transforme les référents du monde réel pour élaborer une géographie romancée, selon l'expression d'André Ferré. Les premiers textes de Proust sur la mer, écrits entre 1891 et 1894, intitulés, je cite quelques-uns, « Choses normandes »,« Souvenirs »,« La mer » et « Marine », sont publiés dans des revues, puis repris dans les plaisirs et les jeux. Dans le chapitre qui s'intitule « Permeil de Jean Sandoyer », Pierre Clarac regroupe 14 fragments inédits de 1895 à 1899. Dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », l'image de la mer est prédominante dans la description de la station maritime fictive, Babel. La présente étude a pour objet de dégager la fabrique topographique de Babel à partir de l'image de la mer, matière d'observation et de réflexion, porteuse d'une évidente épaisseur stylistique. Nous tenterons de comprendre dans quelle mesure les images de la mer servent-elles à construire le pays de Babel et à lui donner un sens. Dans un premier temps, nous examinerons les représentations de la mer dans Jean Sandoyer pour savoir à quel point ces premières descriptions sont significatives dans l'élaboration de l'œuvre de Proust. Dans un second temps, nous nous intéresserons à la métaphore marine dans la recherche afin de mettre en lumière l'évolution de la perception de la théorie esthétique chez l'auteur. En résumé, notre étude consiste à interpréter les images de la mer et à mettre en valeur leurs fonctions dans la topographie imaginaire de Babel. Babel, station balnéaire fictive, est une contrée composée de plusieurs villes normandes et bretonnes. Cabourg, Deauville, Trouville, Dives, Permeil, etc. Dans la recherche, sa localisation entre Normandie et Bretagne est d'abord révélée par les propos du personnage Le Grandin.
Pourtant, quelques lignes plus loin, le Grandin décrit le coucher du soleil du pays d'Auge, une région de Normandie divisée par la côte du Calvados et l'estuaire de Norna. Comme le constate André Perret, les références géographiques ne permettent pas d'assigner à Balbec une situation fixe. Elles présentent entre elles une certaine concordance quand elles sont assez générales, mais elles deviennent contradictoires dès qu'elles sont précises. Le Grandin déclare finalement que Balbec est un pays de pure fiction. Les discours de ce personnage sur Balbec révèlent, dès le premier tome de l'œuvre, le mystère de la création d'un univers romanesque. La localisation entre Normandie et Bretagne, les indications ambiguës et la nature fictive de ce pays de Balbec confirment que le récit proustien se déroule dans une atmosphère à peu près continue, flottant entre l'observable et l'irréel. L'héronarrateur de la recherche, fasciné par la description de Balbec par Le Grandin et par Swann, rêve de, je cite, faire connaissance avec l'architecture et les paysages de la Normandie ou de la Bretagne. En dépit de ces indices géographiques explicites, la Bretagne demeure un lieu mineur dans cette œuvre. Cependant, on trouve de nombreuses références à ces régions dans Jean Santeuil. On sait qu'au moment où Proust commence la rédaction de ce roman, il introduit des inscriptions en Bretagne et s'inspire particulièrement de son séjour à Bègmeil en 1895 avec Renato Anne. Dans le chapitre Bègmeil, l'écrivain décrit ainsi la topographie de cette région dans le fragment intitulé « La presqu'île de Bègmeil ». Le sémaphore de Bègmeil est situé à l'extrémité de cette presqu'île et regarde à gauche la baie de Concarneau qui la baigne à l'ouest, en face de lui et à droite l'océan qui la baigne à l'est, la grande mer, comme on dit là-bas par opposition à la baie. Mettons les îles Crénan qu'on voit du sémaphore, ont brisé la force et ton eau vient mourir là, presque aussi douce que l'eau dormante de la baie. Dans ces chemins où on voit à un bout la largeur de la baie et son autre rive, de Saint-Laurent et Concarneau, à l'autre l'océan on ne rencontre jamais personne. Cette description illustre les aspects existants de la terre avec des toponymes réels comme Bègmeil, la baie de Concarneau, les îles Crénan, le Saint-Laurent et des locutions adverbiales telles que à l'extrémité, à gauche, à l'ouest, celle-ci dépendant de la vision du narrateur. Les personnages et les événements sont absents. La mer n'est pas décrite. Elle sert, avec les notations topographiques de cette région, de cadre à des événements dans les autres séquences. Pourtant, on retrouve l'intention de Proust de masquer les indices topographiques dans les jeunes filles. Je cite. Pour ma part, afin de garder pour pouvoir aimer Balbec, l'idée que j'étais sur la pointe extrême de la terre, je m'efforçais de regarder plus loin, de ne voir que la mer. Cette scène rappelle celle du sémaphore à l'extrémité de la presqu'île de Bègmeil, mais où se situe ce Balbec sur la pointe extrême de la terre? D'après les propos d'Henri, c'est le flou de la délimitation géographique. Dans les fragments suivants du chapitre Bègmeil, le protagoniste Jean voit tantôt la mer d'un bleu solide, vif et clair, tantôt la mer qui, loin, était rose, près plus jaune, là-bas rouge, ou la mer qui, sombre maintenant, nuit encore, bleu gris comme un mulet, un maquereau ou une raie. D'abord, la mer est représentée d'une manière plus esthétique que géographique, son chromatisme nuancé résultant de la diversité de l'éclairage au fil des heures ou des jours. Il ne s'agit pas d'une topographie réelle, car la série de marines chez Proust devient impressionniste. Puis, la dernière citation rappelle l'article inachevé intitulé « Chardin et Rembrandt » dans lequel l'auteur associe le tableau de la raie à la mer en écrivant « Un monstre étrange, frais encore comme la mer ou inondoyable, une raie est suspendue, dont la vue mène au désir de la gourmandise, le charme curieux du calme ou des tempêtes de la mer dont elle fut le formidable témoin. »
D'ailleurs, Proust recourt souvent à la tempête pour illustrer le dynamisme des éléments marins et leur force inépuisable. Dans le fragment de Vermeil à Belmar, Un jour de tempête, l'écrivain évoque l'expérience exaltante de Jean sous la tempête violente qui démontre son aspiration vers la grande nature. De même, le narrateur de La Recherche déclare « Je n'avais pas de plus grand désir que de voir une tempête sur la mer, moins comme un beau spectacle que comme un moment dévoilé de la vie réelle de la nature, les beautés des paysages ou du grand art. » Afin de développer sa conception de la nature, Proust met en valeur l'imagination. Il affirme que les seules voies de l'imagination mènent à la vérité précieuse. La nature sait où sont ses vérités et elle le sait seule. D'après Jean Milly, les passages sur Vermeil relèvent des préoccupations esthétiques de l'écrivain encore directement rattachées à la réalité vécue. Cette dernière étant déjà en voie de transformation, mais beaucoup moins qu'elle le sera dans la recherche. La notion d'image est à la fois psychologique et littéraire. Gaston Bachelard, moins théoricien de la littérature que philosophe de l'imagination, ouvre une nouvelle voie vers la réflexion sur l'imagination matérielle. Pour lui, l'image littéraire est un sens à l'état naissant. Elle signifie autre chose et fait rêver autrement. De plus, il souligne que les recherches sur l'imagination sont souvent guidées par une fausse piste de l'étymologie. Je cite, « On veut toujours que l'imagination soit la faculté de former des images. Or, elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception. Elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. » Fin de citation. Ainsi, l'imagination est dotée d'une dimension subjective capable de dépasser la perception ou plus encore d'une puissance de création. Par ailleurs, dans la géographie de Marcel Proust, André Ferré constate que l'imagination apparaît comme le trait essentiel de la méthode géographique propre à Proust. Selon lui, l'invention géographique de l'écrivain s'effectue en partant d'images élémentaires empruntés au monde extérieur, qui sont par la suite refondus en des synthèses tout imaginaires qui créent un nouveau milieu géographique original et irréel. Images, métaphores et styles sont le sable magique mené à l'organisation spatiale chez Proust. Tout d'abord, l'auteur relève que l'image doit avoir cette raison d'être en elle-même, sa puisque l'essence toute divine. Elle forme la cellule même, l'atome du style, parce qu'elle est la révélation de nos impressions authentiques. En outre, Proust souligne l'importance de la métaphore dans son article à propos du style de Flaubert, en affirmant que la métaphore seule peut donner une sorte d'éternité au style. Dans Le temps retrouvé, il approfondit cette problématique par la réflexion du narrateur sur la nature de son art. Je cite, la vérité ne commencera qu'au moment où l'écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport et les enfermera dans les anneaux nécessaires d'un beau style. En conséquence, dans l'œuvre de Proust, la vision et le style sont si bien menés par le biais de la métaphore, car le style pour l'écrivain est une question non de technique mais de vision. Ainsi, la métaphore devient l'une des manifestations du secret de son génie. Je vais passer à la première partie, à la partie suivante. Les métaphores de la mer abondent dans la recherche. Selon Gérard Genette, la clé de la théorie et de la pratique esthétique chez Proust réside dans le rapport métaphorique qui est fondé sur une analogie. Il affirme la présence d'un réseau continu d'analogie entre la mer et tout ce qui la voisine. La métaphore proustienne doit être interprétée par ses analogies et par leur dynamisme. Premièrement, la notion de contexte possède un sens important dans l'œuvre de Proust. L'écrivain choisit le comparant dans le contexte géographique. La chambre du grand hôtel de Babek est comparée à une cabine de navire et sa salle à manger devient un immense et merveilleux aquarium. Le restaurant de Ribelle ressemble à un réservoir, à une nasse, et les clochers de Saint-Marc avaient l'air de vieux poissons.
De plus, le paysage marin sert de cadre à la première apparition des jeunes filles comme un fond de tableau. Quand, presque encore à l'extrémité de la digue, où elle faisait mouvoir une tache singulière, je vis s'avancer cinq ou six filles, aussi différentes par l'aspect et par les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec, qu'aurait pu l'être, débarquer on ne sait où, une bande de mouettes qui exécute à vagabonder sur la plage une promenade. Cette analogie entre les jeunes filles et une bande de mouettes entraîne toute une série de comparaisons marines. Les métaphores du groupe de ces jeunes filles ayant un fort lien avec leur pays. Citons un exemple. Mais quand, même ne le sachant pas, je pensais à elles, plus inconsciemment encore, elles, c'était pour moi les ondulations mondieuses et bleues de la mer, le profil d'un défilé devant la mer. Les différentes apparences d'Albertine rappellent aussi la mer changeante. Je devrais plus encore donner un nom différent à chacune de ces Albertines qui apparaissaient devant moi, jamais la même, comme appelée simplement par moi pour plus de commodité la mer, ces mers qui se succédaient et devant lesquelles, autre lèvre, elles se détachaient. Deuxièmement, les métaphores de la mer sont constamment appliquées à la terre. Dans les jeunes filles, le lendemain de son arrivée à Balbec, le héros contemple une vue panoramique de la mer à travers la fenêtre de sa chambre du grand hôtel. Je retournais près de la fenêtre, j'étais encore un regard sur ce vaste cycle éblouissant et montagneux et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, ça et là, polies et translucides, lesquelles, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écroulement de leurs pentes auxquelles le soleil ajoutait un sourire sans visage. D'après Isabelle Zuber, les représentations de la mer chez Proust sont très visuelles et picturales. L'emploi du mot « fenêtre », particulièrement fréquent dans les jeunes filles, confirme sa fonction de cadre pour la marine. La mer et ses flots sont comparés à un vaste cycle éblouissant et montagneux et à des sommets neigeux. La métaphore des vagues rappelle également ce que Victor Hugo écrit dans « Les travailleurs de la mer », je cite, « L'eau est pleine de griffes, le vent mord, le flot dévore, la vague est une mâchoire, l'océan a le même coup de barre que le lion. » Ensuite, le protagoniste admire le paysage marin chaque matin devant sa fenêtre. Les images métaphoriques de la mer portant sur le paysage terrien de ses premières marines sont nombreuses. Donnons-en quelques exemples. Ces flots de verre, aussi tendres que celui que conserve aux prairies alpestres, moins l'humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière, ou ces signes bleus de la mer qui n'ont de nom sur aucune carte géographique. Malgré la répétition des termes géographiques, le narrateur nie l'existence de ces sites sur des cartes, ce qui augmente l'effet poétique du texte. Indubitablement, la mer est représentée avec un raffinement plus grand que dans les premiers écrits proustiens. La visite à l'atelier d'Elstir a une grande influence sur la perception et la réflexion esthétique chez le narrateur, associée à un grand nombre d'images et d'impressions. Dans les tableaux du peintre, la frontière entre le ciel et la mer s'efface comme s'abolit la démarcation entre la terre et la mer. Il est à noter que Proust introduit dans son écriture cette absence de frontière bien avant la recherche. Dans la mer, texte publié dans le Banquet en 1892, l'auteur écrit « La mer a le charme des choses qui ne se taisent pas la nuit. Elle n'est pas séparée du ciel comme la terre. Est toujours en harmonie avec ses couleurs, ses mots dans ses nuances les plus délicates. D'ailleurs, dans les jeunes filles, toute démarcation est effacée dans les marines d'Elstir. Proust développe ainsi sa description de ses tableaux et sa vision esthétique, de même que son interprétation du terme de métaphore. Je cite de nouveau cette fameuse phrase. C'est par exemple une métaphore de ce genre, dans un tableau représentant le port de Carquetu, qu'Elstir avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer. Dans Sodome et Gomorre, l'écrivain continue d'appliquer le champ lexical du paysage champêtre et montagneux à celui de la mer. Je cite, « Je voyais pour le premier jour des vagues, les chaînes des montagnes d'azur de la mer, ses glaciers et ses cascades. » La mer est presque virale, la surface marine devient boueuse, la fine pointe d'un bateau de pêche ressemble à un clocher villageois. »
Plus encore, la métaphore figure originellement littéraire qui consiste à créer un rapport de ressemblance entre deux réalités relativement éloignées va jusqu'à la métamorphose dans les tableaux textiles. C'est une citation déjà évoquée par M. Prou, mais je vais plutôt me focaliser pour la suite de la phrase. Le charme de chacune consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, analogue à celle qu'en poésie on nomme métaphore, et que si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom ou en leur en donnant un autre qu'elles tirent les recréaient. Les noms qui désignent les choses répondent toujours à une notion de l'intelligence étrangère à nos impressions véritables. Le rôle de l'artiste, selon Proust, est de transfigurer le monde que nous percevons. Les métaphores des styles substituent une réalité à une autre. Il est évident que le style des styles et celui de Proust ont des points communs. L'auteur insiste sur l'abandon de la notion d'intelligence face aux impressions premières. Dans une lettre de 1922 à Camille Vidard, où il déclare « Quant au style, je me suis efforcé de rejeter tout ce que dicte l'intelligence pure, tout ce qui est rhétorique, enjoliment et à peu près image voulue et recherchée pour exprimer mes impressions profondes et authentiques et respecter la marche naturelle de ma pensée. » À la recherche du temps perdu, naît plus particulièrement de la sensibilité et de l'imagination de l'écrivain. Une polychrome cathédrale de la mer se construit à partir de matériaux romanesques poétisés par le biais de la métaphore, privilégiant la relation de contiguïté. Maurice Merleau-Ponty confirme que personne n'a été plus loin que Proust dans la fixation des rapports du visible et de l'invisible, dans la description d'une idée qui n'est pas le contraire du sensible, qui en est la doublure et la profondeur. » Fin de citation. Les métaphores créent toujours un effet de surprise, comme des intervalles inattendus ou, selon les termes de l'odeur, les intermittences du cœur. Une telle abondance de métaphores dans la recherche nous amène à poser la question suivante. Comment Proust est-il passé d'un roman de fragments poétiques à un récit de l'espace continu? On peut songer à la disposition de la lanterne magique qui offre l'exemple d'une superposition juxtaposante ou aux marines reflétées dans les vitrines des bibliothèques de la chambre du Grand Hôtel. En conclusion, les images de la mer s'entrelacent dans la topographie de différentes contrées d'une manière intermittente. Elles forment un réseau qui démontre la cohérence interne de la recherche ainsi que l'évolution de la conception de l'esthétique et du style chez l'écrivain. Je vous remercie. C'était la première communication. Bravo. Très bien. Ouais, c'est bien. 5 minutes pour les questions concernant les deux doctorants et ensuite... J'ai d'abord une première question. J'aurais bien aimé savoir cette jeune femme. De quel pays est-elle originaire? Je suis d'origine chinoise. Bah écoutez, je voudrais d'abord vous dire que bravo, oui, félicitations. C'est rare d'entendre une Asiatique parler aussi bien français. Alors je n'ose pas penser s'il fallait que j'apprenne le chinois pour parler comme ça. Bon. Merci beaucoup et de vous consacrer à Proust et de nous avoir fait beaucoup de plaisir. Je voudrais simplement ajouter à votre belle petite communication, vraiment. Vous rappelez simplement qu'il a eu comme spectacle, Proust a vécu 51 ans, et il a eu comme spectacle la mer, ne serait-ce qu'à Cabourg, enfin, ajoutons Trouville, pratiquement 2 ans de son existence. Elle était là, devant lui. C'est important, simplement pour se dire que c'est normal qu'il ait peint la mer. Et heureusement qu'il était d'ailleurs sur les bords de la Manche, parce que la mer, comme vous le savez, se retire 2 fois par jour. Donc il y a le va-et-vient sur la plage, et c'est ce mouvement-là aussi qui le passionnait. Merci à vous. Merci. Alors, docteur Anglais, je signale qu'il y a d'autres doctorants asiatiques qui parlent aussi bien. Non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein. Bah, il y a monsieur Yoshikawa aussi. Hein. Oui, que j'avais dit, doctorant. Il n'est plus doctorant. Il y a par exemple celui que nous appelons Frédéric, parce que le prénom qui est à compatriote, jamais il dit vous, qui a
fais partie du comité d'organisation du colloque, vous pouvez vous lever, je pense, et on vous appelle. Vous pouvez votre prénom. En chinois. Oui, en chinois. C'est Wang Yu. Voilà. Et puis, il y a un docteur coréen qui fait partie aussi du comité d'organisation et qui travaille lui aussi sur littérature et musique et sur la direction. Donc, vous pouvez vous lever aussi, c'est le comité d'organisation. La troisième personne qui fait partie du comité d'organisation du doctorat, elle parle parfaitement français, mais elle est québécoise. Enfin, elle parle français. Il est Isabelle Dumas. Voilà. Une question pour vous. Vous avez parlé des mafias de Giverny. Proust est allé les visiter, à visiter ou... Il ne semble pas. Mais il en voulait. En fait, il a voulu à plusieurs reprises, en plusieurs lettres, il dit qu'il va y aller. Oui, non, mais il finit par. Non, non, il n'y est pas allé. Ne jamais y aller. Mais bon, dans plusieurs lettres, il en parle. Il voudrait. Il les admire en tout cas beaucoup. Ouais. Ça, on le sait. Et pouvez-vous définir, Arthur, cette scène de passation communément admise, mais elle n'est pas si communément admise que cela, cette appellation, je pense. Est-ce que vous pouvez la redéfinir? Vous savez que c'est la passation dans le sens où générationnel du passage de Swann, de Vinteuil, de Swann au narrateur, en fait, au héros. C'est ça la scène de passation. Et ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que justement, qu'il y avait aussi passation esthétique avec l'impressionnisme. Pictural et vers l'impressionnisme musical. Et est-ce que vous pourriez faire la même analyse concernant le Septuor, replacer le Septuor par rapport à la peinture? Oui, comme je l'ai dit, en fait, le Septuor est plus dans une optique futuriste, cubiste. Donc c'est encore après, effectivement. Mais plus du tout impressionniste. Et puis il y a toujours des traces wagnériennes par-ci par-là. Alors, dans l'assistance, il y a une dame danoise, Christine Marstrand, qui est cantatrice, vous parlez de musique, et qui vient de publier un très beau livre sur Elstir et Vinteuil. Alors, je ne sais pas si vous l'avez apporté, Christine. Oui, il est là. D'accord. Et je cite aussi M. Maurice. Pour le moment, ce livre est en danois. Il ne rend pas facile l'accès pour vous, mais il va être traduit en anglais. D'abord en anglais et j'espère aussi en français. Nous espérons aussi, c'est un très beau livre.